Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, ici c'est Jonathan Hachi. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et passons directement au sujet de la vidéo. Le secret ultime des gens qui sont devenus riches. Oui monsieur, le secret ultime mon gars que j'ai constaté sur tous les gens que j'ai interviewés, tous les gens qui ont une réussite, qui sont devenus riches. D'accord, tu mets le riche, enfin ça veut dire plein de choses riche. Hein. On va dire millionnaire si tu veux, comme ça on sait à peu près de quoi on parle. Ok, donc cette richesse là, cette richesse financière, ok, évidemment toutes les richesses sont bonnes, ok, richesse relationnelle, richesse santé, ok, mais là on va parler d'argent, ok. Donc le secret ultime, tu vas voir, il est simple, tellement basique, mais garde, c'est les basiques qui font la réussite, voilà. Ok, l'élément clé, c'est tout simplement, ils l'ont décidé. Tu vas dire, c'est pour ça que j'ai appuyé sur cette vidéo. Ben oui, ma vie. Est-ce que tu as décidé de devenir riche? Ils l'ont décidé. Et une fois qu'ils l'ont décidé, eh ben, ils ont été en harmonie, ils se sont alignés à leur objectif. C'est-à-dire que si jamais tu veux devenir riche, eh ben, les gars qui deviennent riches et qui le décident, ils font des actions pour pouvoir le faire. Ils ne pensent qu'à ça. Leur argent, leur temps est consacré à cet objectif. Okay, c'est à l'heure de penser que ouais, tu veux devenir riche, mais en vérité, la plupart du temps, de la journée, je sais pas moi, tu penses plutôt au foot, tu penses plutôt à manger, au restaurant, tu vois, tout ce que tu veux. Tous les gens que je connais qui sont millionnaires parlent que de ça. Ils parlent business, ils parlent de comment ils peuvent aider. Tu vois, c'est continuellement. C'est pas comme quand tu es un salarié, genre tu as fini de travailler, et genre tu dis ah, c'est fini, moi je mets mon cerveau en off, je ne pense plus à mon travail. Non, là quand tu es un businessman, tout le temps tu penses à ton business. C'est difficile à comprendre, je pense, au début, parce que même moi avant je ne comprenais pas, tu vois. Et maintenant que je le vis, bah, je me dis, en fait tu penses constamment à ton business et tu es passionné par ça, tu penses qu'à ça. Si tu décides d'être riche, aujourd'hui la question que je vais te poser, quel est ton objectif actuel? Est-ce que tu l'as noté? Parce que quand tu décides, après il faut l'écrire. Il faut l'écrire et après tu mets tout en place pour pouvoir atteindre cet objectif. À quoi tu penses le plus souvent? Parce que c'est sur quoi tu vas mettre ton attention que ton cerveau en fait va se focaliser pour pouvoir trouver des solutions pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Mais si jamais tu penses à devenir riche, je sais pas moi, que à la fin du mois parce que tu vois que tu es en galère d'argent ou quand tu as vu une belle voiture, tu diras j'aimerais bien me l'acheter, etc. Mais tu n'as pas pris une réelle décision. Ok, je décide de devenir riche. Ok, c'est difficile à dire ça. Si tu as des mauvaises croyances par rapport à l'argent, ben c'est sûr que ça va être difficile de dire ça. Mais en tout cas, il va falloir que tu l'assumes et que si jamais tu veux devenir riche, il faut que tu dises je décide de devenir riche et de ne pas avoir honte de vouloir devenir riche. Tu ne peux pas jamais penser à ton objectif et en espérant que ça tombe du ciel. Tu vois, si jamais tu veux être, je sais pas moi, avoir un beau body, bon, je prends toujours cet exemple-là, peut-être ça va pas te parler. Si jamais tu veux avoir un beau body, tu vas y penser, tu vois. Et souvent, les gens disent, ouais, t'as vu, le gars, il fait de la musculation, il est narcissique ou la fille, elle arrête pas de se regarder dans le miroir et tout, machin. Bah oui, mais parce qu'en fait, tu observes les progrès que tu fais. T'es focalisé, en fait, sur tes progrès. Tu vois, tu vas pas y penser 5 minutes dans la journée. Tu vois, tu vas manger bien pour pouvoir atteindre ton objectif. Tu vas dormir bien. Tu vas t'entraîner correctement. Tu vas penser à ton training. Tu vois, donc en vérité, toute la journée, tu vas penser à ton objectif quotidiennement. Et c'est pareil pour ton objectif de devenir riche. Ok, tu peux pas toute la journée à penser à autre chose et pas consacrer ton temps, ton énergie à atteindre cet objectif. Okay. Les experts qui ont étudié les facteurs du succès ont vu que le cerveau, en fait, il est fait pour atteindre ses objectifs. Okay. On a été bien conçu, c'est fait pour ça. Donc, si jamais tu lui donnes un objectif, il va travailler matin, midi et soir dans la nuit, même quand toi, tu dors, pour pouvoir atteindre cet objectif. Okay. Donc, je vais te laisser avec une citation qui dit « Pense et agis comme s'il était impossible d'échouer. Pense et agis comme s'il était impossible d'échouer et tu verras, tu seras inarrêtable et tu atteindras tous tes objectifs, devenir riche, successful, tout ce que tu veux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je t'ai partagé un peu mon avis. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce dont tu as ce que tu as pensé, si jamais tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord. Mets un j'aime si tu as aimé la vidéo, mets un j'aime pas si tu n'as pas aimé. Et si jamais tu as un business, d'accord, tu es entrepreneur, tu as commencé à avoir quelques clients, que ce soit dans les relations, le make money, c'est-à-dire bourse, immobilier, tu as une expertise là-dedans, que ce soit dans les relations, que ce soit dans la santé, d'accord, si tu es coach, thérapeute, sexologue, etc. Clique sur le lien juste en dessous pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. Ce sera une session stratégie offerte où je vais te montrer exactement comment tu peux dépasser les 10K en 3 mois, ok? Donc, n'aie pas peur, ne dis pas où est-ce que je vais correspondre au profil. Si tu es entrepreneur, tu as déjà des clients, ok? Tu as déjà un business ou tu as une bonne expertise, que tu as déjà aidé des gens gratuitement et qui ont des résultats, clique sur le lien juste en dessous, d'accord? Au pire des cas, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais te dire, voilà, bah écoute, tu corresponds pas au profil, donc c'est ok et on fera pas la session, c'est tout. Mais n'aie pas peur de prendre rendez-vous avec moi, tu vois? Je vais pas te manger, ok? Donc clique sur le lien juste en dessous, je vais te donner des stratégies personnalisées à ton business et à toi pour te faire
te permettre d'atteindre les 10K par mois. Ok? Donc d'ici là, les gars, prenez soin de vous et on reste déterminés.